بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يحذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله جل وعلا وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساهرون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطه لها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم والشرار مهم محدثاتها وكل محدثة بدعة

Parce que le sens était groupé ici, on va faire un nom, un seul et unique nom. non nah. Pour ce nouveau cours, et ce nom c'est le suivant, El Rani. El Rani. Nah. Donc toujours, comme à chaque fois, j'essaye de vous donner la bonne prononciation du nom. On a donc le Raine. Nah. Ce C'est pas un ra. Ce nah. C'est pas un ra. Hey, nah. C'est un Raine, comme le le raib. le Raib en rain. Non, ce n'est pas eine non plus. El rani. Il sur le ya. El rani. Ce nom, El rani, il est cité à 18 reprises dans le Coran comme les versets suivants. Sourate Al Anam, verset 133 dans le sens ton Seigneur est celui qui se suffit à lui-même et il est le maître de la miséricorde. Donc El rani de manière courte comme ça, concise. Donc, c'est celui qui se suffit à lui-même, c'est le riche par excellence. C'est celui qui détient toutes les richesses, subhanahu wa ta'ala. Surat Fatih, verset 15. Ô hommes, c'est vous les indigents qui avez besoin d'Allah, alors qu'Allah est celui qui se suffit à lui-même et il est le digne de louange. Surat Luqman, verset 26. En vérité, Allah est celui qui se suffit à lui-même et il est le digne de louange. Donc, celui qui se suffit à lui-même, c'est le riche, le riche par excellence, donc. Personne ne peut dire qu'il se suffit à lui-même. On a tous besoin de cette richesse émanant d'Allah. Allah, Allah n'a besoin de personne. Personne ne peut enrichir Allah, mais il enrichit ses créatures. Non. Ainsi donc, Allah se suffit à lui-même, car il détient la richesse complète et absolue, dans tous ses aspects et sous tout rapport, grâce à sa perfection et à celle de ses attributs qui ne souffrent d'aucun manquement. De quelque forme que ce soit, il ne peut être que riche. Que riche, parce que sa richesse constitue l'une des nécessités de son essence. Et hein, il est riche d'essence. De même qu'il ne peut être que créateur, nourricier, miséricordieux et bienfaiteur. De même, il ne peut que être riche de manière à être à même de se passer de toutes les créatures. C'est pour ça que je disais, personne ne peut ajouter quelque chose à Allah subhanahu wa Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient toute chose. Et il enrichit qui veut parmi ses serviteurs. Il n'a absolument pas besoin d'elle, donc de ses créatures. En revanche, celles-ci ont toujours besoin de lui et ne sauraient s'abstenir, ne serait-ce que l'espace d'un clin d'œil, de sa générosité et de sa gestion, ainsi que de son éducation générale et particulière, comme on l'a vu dans l'explication d'autres noms. Et on ne peut donc se passer de sa miséricorde et de toute autre chose émanant de lui, Comme dans le dua, c'est ta miséricorde que j'attends. Le temps d'un clin d'œil. On ne peut se passer de la richesse d'Allah, de la bienfaisance d'Allah, de la miséricorde d'Allah, ne serait-ce que le temps d'un battement de cils, d'un clin d'œil. Tous ceux qui habitent dans les cieux et sur la terre sont ses esclaves, soumis à sa domination. Bon gré mal gré, je dis, et assujetti à sa volonté. Subhanallah. S'il les faisait tous périr, cela ne diminuerait en rien sa puissance, son pouvoir, sa royauté, sa suzeraineté ou son caractère divin. Parce qu'Allah, il fait ce qu'il veut. Mais plutôt, par miséricorde, il les laisse. Il les laisse, et même, ouais, il les laisse comme ça sans rien. Il prend soin de ses créatures. Il les enrichit, il les guide, il les protège. En vertu donc de sa richesse infinie, l'obéissance des obéissants ne lui est d'aucun profit. Tout comme la désobéissance des désobéissants ne lui fait aucun tort, et eh oui. C'est-à-dire que si tu faisais tous les péchés possibles, possibles tu ne nuiras en rien à Larasogel, tu ne nuis qu'à ton âme. Et si tu faisais toutes les bonnes actions possibles et imaginables, de même, tu n'ajoutes rien à Larasogel. D'accord C'est toi qui as besoin de son din, mais son din n'a pas besoin de toi. Si tous les habitants de la terre croyaient en lui, donc étaient croyants, cela n'augmenterait en rien son royaume. Et s'ils devaient tous mécroire, tous des koufars, cela ne diminuerait en rien sa, sa richesse. D'accord Encore une fois, c'est pour ça que par sagesse, Allah il est voulu qu'il y ait des croyants et des mécréants. Allah affirme surat al-Naml verset 40 Or celui qui est reconnaissant l'est à son propre avantage. Mais celui qui est ingrat doit savoir que mon Dieu, mon Seigneur se suffit à lui-même car il est riche et généreux. Surat al-Ankabut verset 6 Quiconque lutte pour la cause d'Allah ne lutte en réalité que pour lui même. Car Allah se passe volontiers de tout l'univers. Quand on dit ne lutte, ne lutte que pour lui même, c'est pas pour son propre nefs. C'est pour Allah, mais ne lutte que pour lui même, c'est-à-dire pour le salut de son âme. Elle est une arme. Surat el Tarabun. Tarabun ils ainsi Allah et rejetèrent ses signes. Mais Allah n'a que faire de leur foi. Car il est celui qui se suffit à lui même et il est le digne de l'ouange. Pareil ici, n'a que faire de leur foi. Ça ne veut pas dire que ça sert à rien d'avoir la foi. Mais Allah n'en a que faire. C'est-à-dire que ça, ça ne lui rajoute rien. Et s'il mécroit, ça ne lui enlève rien. Et enfin, surat Ibrahim, verset 8. Seriez-vous infidèles, vous et tous ceux qui vivent sur la terre Sachez qu'Allah se suffit à lui-même et il est digne de louange. Dans un hadith qudsi, divin, Allah déclare, ô oh mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, les djinns et les hommes, Avez le cœur de l'homme le plus pervers parmi vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Et il dit aussi Ô oh mes serviteurs, vous n'atteindrez jamais un tel degré de méchanceté au point de me nuire, et vous n'atteindrez jamais un tel degré de bienfaisance au point de m'être utile. Rapporté par Moslem. Donc ici, c'est clair. Oui. Si la personne était la plus mauvaise qui soit, cela ne diminuerait en rien son royaume. Subhanahu ta'ala. Et si les gens hein, avaient atteint un tel degré de méchanceté, il ne pourrait lui, lui nuire. Et s'ils avaient atteint un haut degré de bienfaisance, ça ne lui serait d'aucune utilité. Les gens œuvrent pour leur propre compte. La perfection de sa richesse, dit le Shir, est telle que ceux qui dépensent et donnent dans sa voie, donc dans le sentier d'Allah, dans la recherche de sa satisfaction, ne lui sont d'aucun bénéfice en vérité. De même, la parcimonie et l'avarice des gens ladres ne lui causent aucun préjudice. Car Allah affirme, surat Muhammad, verset 38, dans le sens. Celui qui est avare l'est à son propre détriment. Car Allah se suffit à lui-même et c'est vous qui êtes les indigents, c'est-à-dire les besogneux, les pauvres. Si vous vous dérobez, Allah fera appel pour vous remplacer à un autre peuple qui euh, ne vous ressemblera nullement. C'est-à-dire, si les gens mécroient, Allah les remplacera par des gens qui croient. Ô croyants, Al-Baqarah, verset 267 dans le sens Ô croyants, donnez en aumône du meilleur de ce que vous possédez et des produits que nous faisons sortir pour vous de la terre. Ne vous précipitez pas sur ce qui est vil pour en faire dépense et que vous n'accepteriez vous-même qu'en faisant la grimace. Sachez qu'Allah est riche et digne de louange. Donc, grâce à cette richesse absolue, Allah est exemple de tout manquement et de tout défaut. Quiconque lui attribue une quelconque insuffisance, lui affecte une caractéristique contraire à sa richesse, car il annonce surat Yunus, verset 68 ils disent Allah s'est donné un fils. Gloire à Allah qui se suffit à lui-même, et qui, hein, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur et sur la terre. Mais avant de continuer l'argumentation du Shir à ce sujet, j'ai une petite nasira à faire justement autour de la, de la richesse, afin de ne pas désespérer et de la miséricorde d'Allah, mais également de sa richesse. Pensez finalement que notre situation, que ce soit une situation de pauvreté ou d'endettement ou de, de projet à bâtir, d'âme ou d'ambition, est trop et trop difficile. Si on connaît le Rani, on sait que rien, rien n'est trop en vérité. Alors Allah, il est celui qui possède toutes les richesses. Donc il peut absolument tout te donner. Ne jamais désespérer d'Allah. dans quelque situation que ce soit, par rapport à, à l'épreuve. Il est celui qui secourt face à l'épreuve. Par rapport aux grands péchés, quand on est noyé dans les grands péchés, les kabaïr, même personne qui a fait le shirk, ne jamais désespérer de sa miséricorde et de son pardon. D'accord Parce qu'Allah est celui qui absout, comme on l'a vu. Et ta'wab, el-afou, rahman, rahim, etc. Ne jamais désespérer si on a une une, une perte de subsistance, parce qu'on sait qu'il est razak ou encore el-rani, il est riche. Quand on étudie les noms et attributs d'Allah azawajel. On fonctionne comme ça, on raisonne comme ça, dans quelque situation que ce soit. Face à la maladie, c'est pareil, il est Ash-Shafi, es donc il est celui qui guérit. Et si on sait qu'il est celui qui guérit de manière absolue, et il a cet attribut d'âme de, de pouvoir de guérison le plus absolu qui soit, on ne peut pas désespérer. De même, même si on a fait des péchés, on ne peut pas désespérer de sa miséricorde, de son pardon. De même si on est pauvre ou endetté, ou si on a envie de bâtir ou quoi, on ne peut pas commencer à se dire « Oh non, je, je ne peux pas, je n'aurai pas assez ». C'est pas toi qui n'as pas assez de force pour remonter ta santé. C'est pas toi qui, Naam, a assez de pureté dans ton cœur pour te faire... pour t'auto-pardonner, on pourrait dire, ou pour, euh, Naam, te, te, te remettre sur le bon rail et sur... Serah, al-mustaqim. De même, ce n'est pas toi qui euh, va avoir les ressources nécessaires pour bâtir ou pour sortir d'une dette. C'est plutôt Allah l'arasogène, à travers tous ses noms et ses attributs, qui va te faciliter cette chose-là. Ainsi... Le fait de douter, de désespérer, est un grand manquement dans le tawhid. C'est pour ça que Shia'i Ibn dit que désespérer d'Allah entre parmi les kaba'ir. Ça entre dans les les grands péchés. Vraiment, c'est immonde. Parce qu'en vérité, c'est un grand manquement dans le dogme, dans l'unicité. C'est une grande méconnaissance de son Seigneur. Tabaraka wa ta'ala. Si on étudie un peu plus ses noms et ses attributs, on saurait alors qu'il est ceci, il est cela, il a tel et tel et tel attribut parmi les magnifiques attributs et parfaits attributs qu'il possède, subhanahu wa ta ta'ala. Donc on ne peut pas douter. Donc c'est un grand manque de tawakkul Allah que de douter. C'est la faiblesse de l'homme, certes, mais il faut travailler justement son tawhid, et ça se révise à chaque instant, dans toutes les situations de nos vies. Je te dis que tu sois dans telle et telle et telle et telle situation, ne t'en pas à toi-même, mon frère, ma soeur à tes petites capacités, ou plutôt tes petites grandes incapacités, Naam. Ton problème est grand, mais il, il n'est rien, il est minuscule, cher Allah azogel. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Ce qu'il y a sur tes épaules, ce n'est rien pour Allah. Ce que tu demandes, alors en c'est rien pour lui. Il possède tout. Pour toi, c'est peut-être grand. Donc, il faut jamais euh, douter de ça ou dire que ce qu'on va demander, c'est trop. C'est pour ça que le Prophète aïs nous a dit de demander le paradis. Oui, mais Al-Firdaws, est là, le plus haut degré du paradis. Rien n'a amené, mais trop pour Allah ce parlementar là. Donc, si tu as des demandes, des hautes ambitions, demande les. Demande les. Bien sûr, fais les causes aussi. Bien sûr, fais les causes, mais demande les. Et Allah, Inshallah, t'exaucera et acceptera ta requête, ta demande. Et il ne faut pas douter. Et comme il est dit aussi dans un hadith, hein, mon serviteur a une image, a une idée de moi. Et je suis, c'est Allah qui parle, et je suis selon euh, l'opinion qu'a de moi mon serviteur. Si tu penses du bien d'Allah, comme ça, bien sûr en étant cohérent, ce n'est pas se baigner dans les péchés, se baigner dans l'ignorance et se dire je pense du bien d'Allah. Ça, c'est de l'illusion, on l'avait déjà vu. C'est faire des efforts. Faire des efforts pour apprendre sa religion et la pratiquer, et penser du bien d'Allah. Si tu penses du bien d'Allah, ben Allah, il sera pour toi comme tu as pensé. Et si tu penses du mal d'Allah, eh bien voilà, c'est toi, à ton propre détriment, par rapport à ton mauvais soupçon envers ton Seigneur, envers le Créateur des cieux et de la terre. Donc c'est très important la bonne opinion de son Seigneur, bien sûr en étant cohérent. Mais si tu pêches, alors repends-toi sincèrement, et le bon soupçon envers al Al-Afou, rahman rahim Si tu as besoin de subsistance, tu te dis comment je vais faire, notamment on voit les gens aujourd'hui Ah, oh, on va mettre le préservatif, disent les couples. Ah, oh, faut pas d'enfants. Ah, oh, on va prendre la pilule. Oh, on va faire comme si. Ah, oh, oh non, ne faisons pas d'enfants. oh non, j'ose même pas me marier. Comment je vais nourrir mes enfants Etc, etc. Tu te doutes de la richesse d'El Tu te doutes de la capacité à t'attribuer la subsistance d'Arazaqa. Et ça, c'est grave. Tu ne dois pas douter. dire non, je ne me mets pas dans telle et telle situation parce que je n'aurai pas. D'accord ou bien à quoi bon euh, lutter ou faire des doigts Je suis malade. Et alors Et alors Allah il est Ash-Shafi. Il est celui qui guérit. Il est celui qui guérit. Et il peut te guérir d'une guérison parfaite s'il le veut. Ah Donc c'était la petite parenthèse et la petite nasiha que je voulais faire autour de la richesse, mais autour de tous les autres attributs en vérité. Hein autour donc de la confiance en Allah. Et, euh, et le fait donc de d'ignorer hein, ces noms et attributs. Bah, pousse à de l'injustice, à du mauvais soupçon et à beaucoup de mal-être aussi. Hein. À énormément de, de mal-être. Et on voit que plus on étudie les noms et attributs, plus on apprend à le connaître comme ça. Et on sait que dans telle et telle situation, on ne se repose pas sur nous-mêmes ni sur les causes. Nous ne sommes rien, nous sommes faibles, mais on se repose sur le digne de louange. Et en ce sens, il n'y a plus de, 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 de gêne et de peine dans le cœur. Parce qu'on sait qu'on a le meilleur des soutiens, le meilleur des alliés, le plus riche. Est le plus digne d'être adoré. Le seul digne d'être adoré d'ailleurs. Je reprends ce que dit le Shir. Wallahu Pour la même raison, Allah est dépourvu d'associés et de semblables. Oui, en effet, comment la poussière serait-elle légale du maître des maîtres et Quand il parle de poussière, ça me rappelle une phrase de Hassan al-Basri, attribuée à al Hassan al-Basri, qui dit Comment on peut se montrer. Orgueilleux la créature Qui au moins deux fois par jour Une à deux fois par jour S'essuie avec la main gauche Ses parties intimes pour enlever ses excréments Comment peut-elle se montrer orgueilleuse devant le seigneur des mondes Ajib, ajib subhanallah. Donc comment la poussière serait légale du maître des maîtres Comment peut-on assimiler le pauvre Le faible, l'incapable, le besogneux Qui a besoin d'Allah en permanence Pour toutes ses affaires Dans sa science, dans sa santé Dans son ouïe, dans sa vue Dans sa subsistance pour sortir d'une épreuve, pour tout, pour tout. Donc, comment on peut assimiler une créature pauvre, faible, incapable et besogneuse, qui n'a de son essence que le néant, à celui qui est riche, omnipotent dans son essence Et comme on l'a vu dans l'explication des noms précédents, qui est le premier et le dernier Qui a toujours existé et existera toujours Celui, Subhanahu, dont la richesse, le pouvoir, le royaume, la générosité, la bienfaisance, la science, la miséricorde, ainsi que la perfection absolue et totale sont les qualités intrinsèques à son essence. Comment comparer Comment peut-on établir une similitude entre les esclaves et le maître des esclaves Ça c'est le propre, plutôt le sale, on pourrait dire pour le jeu de mots, mais c'est quand on dit le propre, hein, c'est ce qui est propre à c'est le propre du cirque en vérité. C'est l'essence même du cirque ça, cette aberration totale. C'est associé le vil, la poussière, l'incapable, le besogneux, le pauvre, le faible, au riche omnipotent dans son essence. Au parfait, absolu, d'accord Et aux qualités intrinsèques. Euh, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est l'aberration du cher, et c'est pour ça qu'Allah ne pardonne pas ça. Et en deçà de cela, il pardonne à qui il veut. Donc, comment peut-on établir une similitude hein, entre les esclaves et le maître des esclaves De toute évidence, ces derniers sont sous son joug, même s'il lui associe et les obéissent tous à sa gestion. Surat al verset 17, dans le sens Allah révèle, ceux qui disent qu'Allah n'est autre que le Messie, fils de Marie, donc Isa et marie, hein, sont de véritables négateurs. Dis-leur, qui donc pourrait s'opposer à Allah s'il voulait anéantir le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous les êtres qui peuplent la Terre Allah n'est-il pas le maître des cieux de la Terre et de l'espace qui les sépare Il crée ce qu'il veut, et sa puissance s'étend à tout L'univers. Sa richesse complète donc implique que tous les trésors des cieux et de la terre soient entre ses mains. Cette richesse complète implique qu'il possède donc entre ses mains, encore une fois en réfutation au Jahmiyah ou Ahbash, hein, comme on l'avait vu, l'attribut des mains. Et comment sont ses mains Mais l'attribut des mains Allah azogel La richesse, donc tous les trésors des cieux et de la terre, en définition, sont entre ses mains. Sa libéralité envers ses créatures continue jour et nuit. Ses mains déversent sans cesse des largesses. Sourat Luqman, verset 26, dans le sens C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. En vérité, Allah est celui qui se suffit à lui-même et il est le digne de louange. C'est précisément en raison de cette opulence, en raison de cela, qu'il invite ses serviteurs à lui demander à tout instant. Comme je vous le disais, ne vous lassez jamais de demander à Allah. Demandez, 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 car Allah aime qu'on lui demande. C'est une adoration, la demande. Et c'est jamais trop demander à Allah. Demande, 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 demande. Tu sais que les créatures n'aiment pas qu'on leur demande, par nature, par essence. On peut demander, peut-être qu'on va accepter. Mais à force de trop demander, on se lasse. Au bout d'un moment, une créature se lasse que tu lui demandes. Donc comment Comment on va mettre en colère le Seigneur parce qu'il n'aime pas qu'on demande à autre que lui, Subhanahu tu vas demander à des créatures, tu vas te rabaisser, tu à des créatures en mettant en colère le créateur. Tu t'attires le courroux d'Allah sur toi alors qu'en vérité, tu attires en même temps le courroux des gens sur toi qui sont lassés de tes demandes. Regardez quelle, quelle stupidité dans l'affaire. Alors que tu pourrais demander directement à Allah Azogel qui est celui qui possède les choses. Ce ne sont même pas les créatures qui possèdent les choses que tu demandes. Tu pourrais directement demander à Allah Azogel qu'il te facilite et qu'il te donne telle et telle chose. Non seulement. C'est beaucoup plus logique parce que c'est lui qui possède les choses. Bah, Allah il est ravi de toi, c'est une adoration, il te demande de lui demander. Et en plus de cela, les créatures sont ravis de toi parce que tu les laisses en paix et les laisses tranquilles. Donc, Allah a l'opulence parfaite. Et il invite donc ses serviteurs à lui demander à, à tout instant. Il leur promet de les exaucer, quelle que soit l'ampleur de la requête. Encore faut-il y croire, avoir un théorite ferme, convaincu. Il leur ordonne de l'adorer et leur certifie qu'il agrira cette adoration. Pour laquelle il les récompensera. Quand on parle ici d'adoration, on parle ici donc de demande d'invocation. C'est une adoration. Comme on l'a vu dans les cours sur l'invocation, l'invocation, c'est l'ibada. Donc, il ordonne à ses serviteurs de l'adorer, sous-entendu, sous-titré. Il ordonne de l'invoquer. Et il leur certifie qu'il agréera à cette adoration, donc cette invocation, pour laquelle il les récompensera. Certes, hein, Allah te demande de l'invoquer, il te récompense pour le fait de l'avoir invoqué, et en plus il exauce ta demande et il donne ce que tu lui demandes. En fait, tu es récompensé pour avoir demandé et reçu quelque chose. Imagine cette miséricorde. Allah, il te donne, donc par générosité, par grâce, avec sa richesse comme ça, il te donne, et tu récompensé du fait qu'il t'ait donné parce que tu as demandé. Ajib, Ajib, Nham, présent sur présent, bien sur bien, grâce sur grâce. Écoutez, c'est important. Tu es récompensé, subhanallah, pour avoir demandé. Il te donne, il t'exauce. Tu pourrais dire, j'ai déjà eu ce que, ce que je voulais, il est, il est déjà là mon bien. Mais en plus, tu es récompensé du fait d'avoir demandé. Alors que c'est lui qui te donne. C'est incroyable, subhanallah. Certes, la faveur qu'il dispense est immense. De même que les cadeaux qu'il offre sont abondants. Il donne à ses créatures tout ce qu'ils sollicitent et comble leurs désirs, voire... Leur souhait. Sa richesse est si éminente que si tous les habitants des cieux et de la terre, du premier au dernier, se tenaient dans une même plaine pour lui demander tout ce dont ils ont besoin et qu'il les comblait, tous en même temps, comme ça, et qu'elle les demandes, même si elles sont énormes, à hein, eh bien cela ne diminuerait en rien ce qu'il y a auprès de lui. Donc, comment toi, tu peux douter et minimiser tes demandes, toi, tout seul dans ton coin avec tes petites demandes, tu dis ah « Non, c'est trop. Non, j'ose pas. Je peux pas demander. » Tu t'adresses pas à une créature, ni à moi, ni à lui, ni à elle. Tu t'adresses à Allah azawajil. Tu peux tout lui demander. Il est El-Rani. Cela donc ne diminuerait en rien ce qu'il y a auprès de lui. Dans le hadith Qutsi, Allah affirme oh « Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, les hommes et les djinns, se réunissaient dans une même plaine pour me solliciter et que je donnais à chacun satisfaction, cela ne diminuerait en rien » Cela ne diminuerait en rien de ce qu'il y a auprès de moi. Que de la mesure qu'une aiguille plongée dans l'eau en diminuerait. Dans l'eau, c'est-à-dire dans l'océan. Donc imaginez, prenez une aiguille, d'accord Plongez-la dans l'océan, d'accord Et retirez-la. Qu'est-ce que ça a retiré de l'océan Absolument rien Absolument rien. Dans la mesure même, si on va très loin dans l'explication, dans l'image, dans, dans la métaphore, c'est que la, la pauvre petite goutte qui a été retirée de l'océan va retomber dans l'océan dès lors qu'on va en retirer l'aiguille. C'est-à-dire, hein, prends l'aiguille et si même il restait une goutte sur l'aiguille, elle va retomber dans l'océan à la suite de ça. Qu'est-ce qu'il reste de l'océan sur cette aiguille Absolument rien du tout. Eh bien, c'est ça qui est diminué la richesse d'Allah. Absolument rien du tout. Même si on lui demandait tout, tout et tout. Masha allah. Cette abondance est si extraordinaire et si immense qu'on ne saurait l'évaluer en vérité ni décrire ce que le Très-Haut octroie aux croyants dans les jardins des délices, c'est-à-dire Filjana au paradis. On ne peut pas imaginer ce qu'est le paradis, les, les, les ni'am, les bienfaits qu'il y a là-bas, les, les richesses, les, Wallahi, les délices, on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer. Il a déjà beaucoup attribué dans cette dunya, mais cette part n'est rien en vérité. Pour un croyant qui aura le paradis, qu'Allah nous l'accorde, qu'Allah nous l'accorde, qu'Allah nous, qu nous pardonne et nous l'accorde. Il y a des, des, des richesses si immenses hein, qu'on ne peut pas les évaluer, les décrire. Et même ce paradis n'est rien comparé à sa richesse en vérité. Mais pour nous, ce sera euh, complètement, euh, complètement, euh, comment on appelle ça, satisfaisant, bien évidemment. Il y aura la satisfaction pleine, hein. aucune, aucune retenue, aucune gêne, aucun, aucun manque, ni quoi que ce soit, quand Allah, quand Allah nous, nous guide et nous accorde son paradis. Dites Amin. Et donc, euh, ce qui se trouve, qu trouve là-bas est, est, euh, est vraiment immense si on médite un instant sur son euh, attribut de richesse, cette abondance. En effet, pour revenir sur le paradis, aucun œil ne l'a vu, aucune oreille n'a perçu euh, sa réalité. Aucun être humain n'a jamais pu imaginer les divers types de faveurs et de bonnes choses qu'Allah accordera aux croyants au paradis. Sort Sajda, verset 17, dans le sens Nul ne peut soupçonner les multiples joies dont seront récompensées les œuvres de ces hommes, c'est-à-dire des croyants. Ces hommes là, ces femmes, ces croyants qui œuvrent. Eh bien, personne ne peut soupçonner, même soupçonner, dire sous-entendre, imagine ne serait-ce qu'une once, hein, il y a les multiples joies dont ils seront récompensés. Ça ça dépasse tout. C'est pour ça, il faut œuvrer mes frères et sœurs. Ne pas se fixer sur ce qu'on a ou sur ce qu'on n'a pas dans cette dunia il faut faire les œuvres qu'Allah nous a prescrites de faire. œuvrer, oeuvrer, oeuvrer. On pêche, on se relève, on demande pardon, et on invoque, et on œuvre et comme ça jusqu'à notre dernier souffle. Nous, c'est peut-être des petites choses. On se dit, on n'a fait qu'une prière, on n'a fait qu'un cours, on n'a fait qu'un sourire, on n'a fait qu'un salam, on n'a fait qu'une euh, aumône, on n'a fait qu'un jour de jeûne. Mais tu ne sais pas la récompense liée à cela. Et avant tout ça, bien sûr, l'apprentissage, la, 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 la compréhension, la mise en application, la propagation d'être théoride. Ce qui est le plus important, l'unicité. Ce la ilah illa là que s'il est posé dans une balance, tous les péchés dans l'autre côté de la balance volent en éclat, en poussière face à ce la ilah illa là Imaginez donc ce la ilah illa là couplé à, euh, à, à énormément de bonnes actions. Qui qui peut savoir quelle sera la récompense euh, La récompense et les multiples joies euh, attribuées à, à ces œuvres-là prescrites ici-bas. Il y aura des récompenses. C'est la promesse de ton Seigneur qui ne faille jamais à sa promesse, il y aura des récompenses euh, subjugantes pour, pour, pour ces croyants-là qui ont œuvré euh, sincèrement. Rabbil Celui donc, pour terminer, qui connaît son Seigneur, selon ses caractéristiques, connaît sa propre âme, donc, Il sait qu'il est le riche et il sait que lui est le pauvre notamment. Celui donc qui admet que son Seigneur possède l'absolue richesse, admet qu'il est nécessairement pauvre, c'est ce que je vous disais. Celui qui reconnaît que son Seigneur est totalement puissant reconnaîtra qu'il est lui-même extrêmement faible. Celui qui trouve que son Seigneur possède le pouvoir complet constate qu'il est lui-même dans une indigence totale. Il n'a aucune capacité, aucun pouvoir. Celui qui accepte que son Seigneur est sage et omniscient avoue sa propre ignorance. Sa stupidité même parfois. Son ignorance pure et simple. Son manque de sagesse. Allah sait et nous on ne sait pas. Et donc le fruit de cette connaissance <coughs> en Allah, en ses noms et attributs, consiste en ce que le serviteur se rende compte qu'il a besoin d'Allah, dans dans tout domaine. C'est aussi la devise de son bonheur et de sa réussite dans ce monde et dans l'au-delà, c'est-à-dire fit dunya Toujours se souvenir qu'Allah il est donc puissant et nous sommes impuissants. Allah il est fort, nous sommes faibles. Allah il est riche, nous sommes pauvres, besogneux, indigents. Hmm? Allah il est savant par excellence et nous sommes tous des ignorants, tous. Et le peu que nous connaissons ce qu'Allah nous a enseigné, est bien maigre par rapport à la connaissance d'Allah subhanahu Voilà pourquoi on termine toujours tout cours, toute allocution, toute phrase par wa allahu alem wa ahkam. C'est-à-dire, Allah c'est mieux et Allah c'est-à-dire, il jugera, il juge. Et nous, nous ne pouvons le faire. Et nous ne pouvons tout connaître. Sur ce, justement, je dis wa allahu subhanahu wa ta'ala wa ahkam subhanaka wa bihamdik on reprendra sur cette série de cours avec deux noms qui sont ensemble autour de la générosité. Autour de la générosité, on est passé avec Al-Rani sur la richesse, donc c'est lié quelque part dans l'ordre dans lequel c'est placé. C'est lié à la générosité. Al-Karim, Al-Akram. Je répète, Al-Karim, Al-Akram. نعم والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته